Bonjour les enfants, je vous propose de vous asseoir. Alors, c'est un privilège pour moi personnellement, en tant que président de notre assemblée, troisième institution du pays, d'avoir à vous accueillir et au nom des représentants de notre assemblée, au nom des représentants qui se sont joints à moi ce matin, notamment Delia Pater à l'extrême droite, Véronique Hamon au milieu, et bien entendu, excusez-moi, Nicole Buteau à l'extrême gauche. Donc nous nous joignons à ce message de bienvenue que nous vous adressons au nom de l'ensemble des représentants de notre Assemblée. Alors j'ai rapidement parcouru le document que l'on m'a remis pour essayer de cadrer un peu votre présence au sein de cette troisième institution. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous souhaitez approfondir une notion très importante que vous allez découvrir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, avec beaucoup d'acuité, beaucoup plus d'acuité, c'est la notion de citoyenneté. Et à ce titre, grâce à l'élection des délégués, vous allez au sein de cette institution, qui est une grande institution dans notre pays, et je dirais même la première, entre parenthèses, puisque c'est celle qui représente le suffrage universel, les élus au suffrage universel. Donc vous allez expérimenter l'élection des délégués de votre collège, le collège de Thonon. Je profite de l'occasion également pour remercier vos responsables qui vous ont accompagnés, vos tuteurs, instituteurs ou professeurs. Donc bienvenue également à vous au sein de notre institution. Alors je ne vais pas faire un grand discours parce que je sais que l'emploi du temps qui vous attend est assez important, en dehors de le simple aspect d'organisation d'élection. Je crois que vous avez peut-être un petit cours. Vous allez comment dirais-je, avoir un petit cours sur notre institution ou sur nos institutions. Mais pour résumer le tout, je vous dirais tout simplement que depuis 2004, nous avons en Polynésie un nouveau statut d'autonomie interne qui définit désormais de manière assez rigoureuse les quatre institutions qui existent au sein de notre pays, qu'on appelait avant un territoire. Donc à la tête de l'ensemble des institutions, statutairement parlant, on va dire, vous avez donc le président, la présidence, le président. Ensuite, vous avez le gouvernement comme deuxième institution. Troisième institution, vous avez l'Assemblée de Polynésie. Ben, c'est là où vous êtes. Et en face de vous, vous avez des petits noms, des noms qui sont affichés. Ce sont les noms des représentants qui ont été élus au suffrage universel et qui siègent au sein de cette institution qui est la troisième du pays au sens du statut. La quatrième institution, c'est le CESC, c'est le Conseil économique, social et culturel, qui vient juste d'être intronisé il n'y a pas plus tard que le mois dernier. Donc c'est un privilège également peut-être pour vous de pouvoir vous asseoir au banc, non pas des accusés, mais au banc des élus, des représentants de votre pays. C'est ici également que se forme, que l'on apporte la réflexion sur l'avenir du pays, en ce sens que c'est cette institution qui vote les lois, qui vote les délibérations et qui met en place toute la réglementation pour que notre société puisse vivre dans l'harmonie et que le partage des ressources puisse se faire dans le cadre de l'intérêt général. Donc, en résumé, sans trop compliquer les choses, voilà comment se structure l'institution dans laquelle vous êtes aujourd'hui, à savoir l'Assemblée de Polynésie. Alors je sais que les dames qui m'ont accompagné ont également quelques mots à dire à votre attention.
Donc je vais proposer à Delia Pater de prendre la parole et ensuite on viendra à Véronique et enfin à Nicole Bouton. Alors une petite précision avant de passer la parole. Vous êtes sur le web. Donc vous voyez là au-dessus, il y a un écran et cet écran-là permet de vivre, permet à ceux qui s'intéressent à la vie politique de notre pays de vivre en live. Hein, c'est un terme que vous connaissez certainement sur leur poste, leur PC, de vivre la séance. Donc il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée, le jour des séances, de cliquer sur le bouton approprié, et puis vous allez pouvoir voir ces images et suivre en live la séance. Alors aujourd'hui, je vous informe que les élèves de Moscou, les élèves de France, les élèves de Chine, les élèves de partout dans le monde, qui savent qu'on peut suivre nos séances en live, sont peut-être en train de vous observer sur le net. Voilà, merci. Delia, tu as la parole. Bonjour. Alors, je m'appelle Delia Pater. J'ai été élue sur Paya. Il y a des élèves de Paya ici? Non? Ok. Donc, je suis de Paya. Et nous sommes deux élus ici de Paya, Monsieur le Président Anthony Géros et moi-même. Je vais passer la parole à Nicole Bouton et après je vais reprendre la parole, ok? Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Vous êtes stressés ou... Un peu stressés? Ne soyez pas stressés, vous allez voir, on s'y habitue vite. J'espère qu'un jour, nous verrons certains d'entre vous siéger à notre place au sein de cet hémicycle. Donc, on vous l'a dit, je suis Nicole Bouton. Je suis, comme Delia Pater, également élue des Îles du Vent, élue de l'île de Tahiti. La jeune Myriam Avet-I est actuellement sur la place que j'occupe habituellement, et d'ailleurs dès demain, puisque nous sommes en séance demain. Et je suis surtout très contente de siéger au sein du conseil d'établissement du collège de Taunoa. Donc l'élection qui a lieu aujourd'hui s'est faite à l'initiative de la direction de votre établissement, à l'initiative de Madame Maniel, et avec la présidence de l'Assemblée, nous avons donc organisé aujourd'hui cette journée. Je crois que c'est une première. Vous êtes les premiers en dehors de l'Assemblée junior, mais vous êtes les premiers à venir organiser une élection du conseil d'établissement de votre collège. Donc j'espère que vous vous rendez bien compte en fait du privilège que vous avez. Donc je dirais que je n'en dirai pas plus. On va vous aider et vous assister dans le cadre de cette élection aujourd'hui et que le meilleur gagne, les meilleurs. Je crois que vous allez élire deux représentants qui seront, j'espère, les dignes représentants de tous les élèves du collège. Marjo. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, mon nom est Mouévey Amou, Véronique. Je vois qu'il y a deux Amou dans la salle. Félicitations. Dont une qui sera peut-être élue tout à l'heure. J'ai été élue à l'Assemblée le 11 mars, lors des dernières élections. Monsieur le Principal, bonjour. Mesdames et messieurs les membres du lycée de Tono, bonjour. Et surtout vous, chers enfants, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ici. Moi, tout particulièrement, puisque je suis enseignante de vocation, j'ai été enseignante à l'école de Mamon tout d'abord, puis à l'école de Taharou à Papara. Et c'est toujours avec un plaisir que je reçois des enfants pour que je puisse leur transmettre le savoir. Et vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes les messagers du savoir pour notre génération future. Que vous dire d'autre si ce n'est que je suis normalement assise à la place de Tinito Galopin là-bas? Bonjour, Tinito, tu vas bien?
Alors, sardine de ma place, s'il te plaît. Je vous souhaite la bienvenue en espérant que les questions que vous aurez à poser, s'il y en a, nous serons en mesure de vous répondre. Pour l'instant, eh bien, bonne chance à chacun et faites surtout un bon vote en votre âme et conscience. Merci. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai été enseignante dans les collèges et les lycées, donc j'ai enseigné aussi des élèves de sixième jusqu'en terminale. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes conscient que l'école est très importante? Oui? C'est très important pour vous, l'école. Pour avoir enseigné particulièrement en sixième, j'ai pu constater qu'il y a quand même des élèves qui n'étaient pas conscients que l'école était très importante pour vous. C'est un privilège que d'aller à l'école. Et vous devez saisir l'occasion d'être dans un établissement scolaire pour apprendre. Il n'y a pas de fin à apprendre. À l'apprentissage. Même lorsqu'on est adulte, on continue à apprendre, mais d'une autre manière. On ne va plus dans un établissement scolaire, mais on continue à apprendre. C'est peut-être le petit message que je peux vous laisser, c'est d'aimer d'apprendre et de respecter vos professeurs, vos enseignants. Le principal du collège, les proviseurs. C'est très important. Tous ceux qui vous entourent dans un collège, essayez de les respecter. Parce qu'il y a un élément qui est très important qui se développe aussi dans les établissements, c'est la violence. Ne soyez pas des enfants qui participent, qui sont à l'origine de la violence dans les établissements. Voilà. Merci. Voilà, maintenant que nous nous sommes exprimés, avant de ramener, on va vous donner 5 minutes de débat, on va faire un peu comme à l'Assemblée, lors de nos séances. Alors, lorsque vous voulez intervenir, vous levez le doigt, sinon je vous coupe la parole. Et puis, ici, je vous interromps avec le toéré, hein, si vous n'interrompez pas lorsque je vous dirai de vous arrêter de parler. Alors, avant de vous ramener la parole, je vais vous présenter une dame qui est un maillon clé. Elle s'appelle Jeanne Santini. Elle est secrétaire générale au sein de l'institution de notre assemblée. Donc, je vous demande de l'applaudir. Donc, l'assemblée, c'est également une administration. C'est un peu comme l'école. Il n'y a pas que les professeurs. Il y a une équipe qui fait tourner l'école. Cette équipe-là s'occupe des finances, du secrétariat, de l'intendance et de toute l'organisation de la vie scolaire. Et donc, c'est un peu le rôle que fait Jeanne Santini au sein de notre assemblée. Elle assure le rôle de chef suprême de l'ensemble des employés de l'administration de notre assemblée. Donc, à chaque séance, elle assiste le président pour justement permettre à toute cette intendance de pouvoir accompagner les élus lors de leur séance. Donc je vais ramener maintenant la parole à mon hémicycle et ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent lever le doigt. Profitez, vous avez 5 minutes parce qu'après on doit s'éclipser, on a une autre réunion, une autre séance qui nous attend. Vous avez la parole. C'est pas facile, hein? Qui veut prendre la parole? Et les délégués, il faut vous exprimer, les futurs délégués. Il faut défendre votre programme, un peu comme nous. Voilà, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Suama Henry, j'ai 14 ans et je suis délégué de classe de la troisième partie du collège de Tonneau.
Je me suis présenté aujourd'hui pour être élu au conseil d'établissement car je me sentais prêt à relever ce défi. Que, si je suis élu, je discuterai avec les délégués de chaque classe pour voir les améliorations qu'on pourrait faire pour l'évolution de notre éducation. C'est ce que je voulais dire. Et merci à vous tous d'être là. Merci. Voilà, Maruru, Maruru pour cette première intervention. D'autres veulent défendre son programme? Il y a un seul candidat? Ben, Madame Marie Rouet. Bonjour à tous les délégués et suppléants et au président, Tony Géras. Voilà. Pour appuyer sur le bouton. Oui. Qui sont présents ici dans l'Assemblée territoriale. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Tamaiti Ore Kimberley. Je suis la déléguée de la 4e 4. Si je suis élue déléguée du collège, je ferai de mon mieux pour soutenir tout le collège et ses élèves et de vous aider au conseil d'établissement. Et je souhaite aussi aux autres candidats bon courage et bonne chance. Merci de m'avoir écouté. Merci. Qui d'autre veut intervenir? Marie Rouet, vous avez la parole. Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Rouet Meire et je suis en 4e. Je me présente comme candidate car j'ai envie de vous représenter ainsi que tous vos camarades de vos classes respectives, pour vos intérêts et ceux du collège. Si je suis élue, je ferai de mon mieux pour bien défendre mes camarades et ferai en sorte qu'on soit fier de moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites le bon choix. Merci. Merci. D'autres interventions? Un petit conseil. Vous allez avoir en face des adultes, des gens qui sont d'un certain âge. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être percutant, comme à l'Assemblée. Comme ça, il faut être incisif. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de défendre l'intérêt général, l'intérêt des élèves. Et s'il y a des points qui nécessite que vous leviez, vous tapez sur la table, il faut le faire. Il faut marquer votre position et votre proposition, vos propositions. Actuellement, nous sommes en pleine réforme de la vie scolaire et c'est le moment de faire entendre la voix des élèves pour dire s'ils sont d'accord ou dire s'ils ne sont pas d'accord. Mais quand vous dites, vous affirmez par exemple une opposition à une proposition, il faut prendre soin de proposer également. Il ne faut pas à chaque fois dire non. Il faut dire non pourquoi et ce que vous proposez à la place. Comme ça, vous allez être de bons délégués et peut-être demain, vous allez être de bons représentants à l'Assemblée. Qui d'autre veut prendre la parole? Plus personne? Ah, Jean-Marie, Marie Terangui. Alors, bonjour tout le monde. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Marie Terani, j'ai 14 ans et je suis délégué de la 3e Mara. Ma classe a été très ravie que je fais partie du conseil d'établissement parce que il compte sur moi pour que je puisse parler de tous les problèmes qu'il y a dans le collège et toutes les améliorations qui devraient y avoir dans notre collège. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous ont accueillis et aux délégués, c'est un bon choix et ceux qui vont être élus,
bonne chance et représentez-nous au conseil d'établissement. Merci. Bravo, ça vient, Maïra. Bonjour. Sandrine, vas-y. Je m'appelle Amo Sandrine, je suis déléguée de la 4e OREPA. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai été choisie pour être candidat, même si on m'a un peu trop forcé, c'est M. Etundi. Et je souhaite bonne chance aux candidats. Merci. D'autres interventions? Et les sixièmes? On n'entend pas les sixièmes. Ah, d'accord. Alors, ne peuvent se présenter que les élèves élus de quatrième et troisième. Mais on vous autorise à parler également. Vous n'avez rien à dire? Dites, levez le doigt, allez-y. Dites que nous sommes là. Bougie. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Dans notre séance, c'est un peu la même chose. Quand plus personne ne parle, ben c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Allez, Manalani Paufay. Bonjour, je m'appelle Paufay Manalani, j'ai 13 ans. Et j'ai été élu délégué de la classe 3e Mara du collège de Tolma. Si je suis élu, c'est pour aider les élèves et pour les défendre. Et si je serai élu délégué, c'est pour me rendre utile à l'issue. Et puis, je souhaite à tous les autres candidats bonne chance. Merci, très très bien. Sandrine, Betty, on reconnaît les timides. Voilà, je pense qu'on a fait le tour finalement. Hein? Ah, voilà, Ivalani, sixième. Bonjour. Bonjour tout le monde. D'abord, je me présente. Moi, je m'appelle Ivalani, j'ai 12 ans. Je suis délégué de la 6e Pourau. Voilà, merci de m'avoir écouté. Très, très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il est temps également pour nous de rejoindre donc l'autre séance. Alors, dans cette institution, nous avons également un budget à adopter tous les ans. Et avec la secrétaire générale, on va devoir rejoindre une autre commission, qu'on appelle la commission du budget de l'Assemblée de Polynésie. C'est un petit budget. C'est celui qui permet à l'institution de fonctionner chaque année. Et donc, nous allons aujourd'hui adopter le projet de budget de l'Assemblée. Donc je vais vous laisser en compagnie de Nicole, qui va vous accompagner tout au long de cette matinée. Et je pense qu'on va vous annoncer tout à l'heure, on a prévu une petite surprise, mais j'en dirai pas plus. Donc, faiteito maitei et yorana.
Excusez-moi, mais juste avant de partir, je voudrais féliciter les enfants qui ont osé prendre la parole. C'est déjà un grand pas et rien que pour ça, il faut les élire. Encore une fois, merci et à tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Betty, un mot. Jenny Hérin Alvarez. À voter.
Myriam Avalpi. À voter. Chazan Chungsinam. Liliana Chosinam. À voter. Hendrik Falketo. À voter. Kéria Ferraris. À voter. Tinitoa Gallo. À voter.
André Irorey. Etienne Iketeta. Mimi Tilitso. À voter. À voter. Dave Manoutei. Gabriel Marie. À voter. Gabriel. Jean-Marie Terrani. À voter. Toi, Marie Terrani. À voter. Réyari Moué. À voter.
Manalani Pamphei. À voter. À voter. Hayari. À voter. Oura et Vapo. À voter. Sandrine Amo. Le Vaina Roy. À voter. À voter. Mais Roué, Roué, pardon. Mahonry, Suar.
Anarita. Qui parle à maturé. À voter. Fantaïa. À voter. Hiawa Kauotaha. À voter. Naïrita ou à voter.
Johanna Taoutou. À voter. À voter. Tahawati Tehe Uriwa. Sarah Reina, t'es Paris. À voter. À voter. Bonjour, Tamatere. Rosette. À voter. Brenda Terewa. À voter. Bonjour Brenda. Brenda a l'air sportive. Ouais. Vétéari Terewa. Bonjour Vétéari. Marie Heiva, Thierry Poiré. Et Oura Tupariwa.
Bougui, tout père. À voter. Ivalani Touri. À voter. Léa Toutaï Iria. À voter. William Voirin. Est-ce que tout le monde a été appelé? À voter. Tout le monde a été appelé? Tout le monde a voté? Est-ce que tout le monde a été appelé à voter? Betty, tu n'as pas voté. Bien, donc on va procéder au dépouillement du premier tour. Je vous rappelle que est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Vous êtes 47 à avoir voté, donc la majorité absolue sera de... Qu'est-ce que c'est la majorité absolue? Non, alors la majorité absolue, c'est une enchère. Donc
Donc la majorité absolue sera à 24 voix. Alors, Jean-Marie Terangui. Si tu commences à cocher. Une minute, on a un petit problème logistique. Attends, parce que là, il y avait bien un bulletin dans l'enveloppe. Oui, 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 voilà, je le passerai à Paris. D'accord, là, quand il y en a deux, c'est considéré comme une. Je le retire. Je le sens. Il y a combien de candidats? Il y a 6 candidats pour 2 places, je me souviens bien. Oui. Voilà, et en fait, tu m'es nul. Comme ça, on. Madame la conseillère, enfin, c'est pas de l'éducation. C'est bon, il est nul, c'est bon. Alors, Jean-Marie Terangui. S'il vous plaît. Sandrine Hameau. Sandrine Hameau. Meire Rouet. Maronri Suard. Sandrine Hameau. Maronri Suard. Ça se dit comme ça, Maronri? Jean-Marie Terangui, Maronri Suar, Manalani Paufei, Jean-Marie Terangui, Kimberley Tamatiore, Jean-Marie Terangui, Jean-Marie Terangui, qui c'est? Maronri Suard, Meire Rouet, Jean-Marie Terangui, Meire Rouet, Maronri Suard, Maronri Suard, Kimberley Tamatiore, Manalani Paufei, Jean-Marie Terangui, Manalani Paufei, Maronri Suar, Manalani Paufei, Sandrine Hameau, Kimberley Tamatiore, Maronri Suar, Sandrine Hameau, Maronri Suar, Anari Tahoua, Kimberley Tamatiore, Anari Tahoua, Jean-Marie Terangui, Maronri Suar, Sandrine Hameau. S'il vous plaît, vous ne jouez pas avec le bouton du micro, parce que ça perturbe l'enregistrement du film. Merci. Sandrine Hameau, Anari Tahoua, Anari Tahoua,
Kimberly Tamatiore, Meire Roué, Mahonry Suard, Mahonry Suard, Kimberly Tamatiore, Mahonry Suard. Aucun de famille. Bien, donc on va procéder au comptage des voix par candidat par alphabétique. Donc la liste AMO voire 1. AMO voire 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. AMO voire 1, 7. Marie-Tarani Tchamfat. Huit. Aoufei Giton. Quatre. Quatre, c'est bon. Quatre. Roué Tihotu. Quatre. Quatre. Oui, c'est ça. Oui. Quatre. C'est ça. Oui, oui. Quatre. Suar Timo. Quatorze. Quatorze. Deuxième tour. Tahoua Oui. 3. Tamature Ferré. 7. Donc aucun candidat n'a été élu au premier tour à la majorité absolue. Donc on va devoir procéder à un deuxième tour à l'issue duquel seront élus les deux candidats qui obtiendront la majorité relative. La majorité relative, c'est... La majorité relative, s'il vous plaît. C'est le plus de voix. Ce sont les candidats, les deux candidats qui obtiendront le plus de voix à l'issue du dépouillement du second tour seront élus et délégués au conseil d'établissement. Alors, si vous le voulez bien, pour aller plus vite, Nous vous proposons, je suis mal réveillée, de faire comme à l'Assemblée. À l'Assemblée, lorsqu'il y a une élection pour le bureau, par exemple, on distribue aux élus à l'avance les bulletins. C'est-à-dire qu'on va vous distribuer les 7 bulletins, vous les aurez en main, on vous donnera également l'enveloppe. De votre place, vous mettez déjà le bulletin que vous avez choisi dans votre enveloppe. Et quand on vous appelle, il vous suffira de venir mettre l'enveloppe dans l'isoloir. Ça ira plus vite, comme ça on pourra aller plus rapidement vers la surprise aussi et fêter l'élection des représentants. C'est d'accord?
Si vous voulez que votre vote reste secret, vous pouvez mettre le bulletin sous le bureau, hein. Et donc on procède au deuxième tour de l'élection. Franck Absolon et Betty Hameau. À voter. Oh là, ça allait vite. À voter. Sandrine Hameau et Remo Herrera Alvarez. À voter. Myriam Avepi Teivachang. À voter. À voter. N'oubliez pas de prendre les autres bulletins pour les mettre à la poubelle. À voter. Chazan Chursinam, Leyana Chursinam. À voter. À voter. Pacheto. Virginia Viraris. J'ai vu lui assis debout, il avait une taille. C'est une taille. À voter. Timitoua Galopin et Andro Irae. Expirez. À voter. À voter. Étienne Iteta, Meimichi Ditsu. À voter. À voter. Théophile Mamatoui, Dave Manoutoui. À voter. Gabriel Marais et Jean-Marie Tourani. À voter. À voter. Tétoua Marie Tourani et Ray Harry Moé. À voter. À voter. Manalani Profei. Heyari. À voter. À voter. Uraeva Profo, le Vaina Roé. À voter. À voter. Mère Roé, Madame Richard. À voter. À voter. Territo Tahinoa. Anari Tampa. À voter. Kimberly Tamaturé, Fanny Tay.
À voter. À voter. Tofan Tahihia Hibaura Tautara. À voter. Hinairi Taourou Oana Taoutou. À voter. À voter. Taharoati Taheouira Tahareina Tepari. À voter. Bonjour. À voter. Tamatere Tevao Rosette Terré. À voter. Banda Terewa Veteari Terewa. À voter. Arrivé Riva Terewa Paré. À voter. À voter. De Boutoua. Ivalani Touri. À voter. À voter. Léa Toupé-Ria. William Vorin. À voter, à voter. Bien, donc le scrutin est fermé. Nous allons procéder au dépouillement du deuxième tour. Je vous rappelle donc que seront élus les deux candidats qui obtiendront la majorité relative. Mahendri Suar, Sandrine Hameau, Sandrine Hameau, Sandrine Hameau, Mahendri Suar, Jean-Marie Terraghi, Mahendri Suar, Mahendri Suar, Jean-Marie Terraghi. Mahendri Suar. Mahendri Suar. Manalani Paofei. Mahendri Suar. Mahendri Suar. Jean-Marie Terraghi. Mahendri Suar. Mahendri Suar. Mahendri Suar. Jean-Marie Terraghi, Meire Roué, Mahendri Suar, Meire Roué, Kimberley Tamatioré, Jean-Marie Terraghi, Meire Roué, Mahendri Suar, Jean-Marie Terraghi, Mahendri Suar, Mahendri Suar, Mahendri Suar, Meire Roué, Mahendri Suar, Anna Ji.
Tahoua, Kimberley Tamatiore, Jean-Marie Terragué, Jean-Marie Terragué, Jean-Marie Terragué, Jean-Marie Terragué, Maïre Roué, Manalani Paouf-Ey, Maonri Suar, Maonri Suar, Jean-Marie Terragué, Maonri Suar, Maonri Suar, Maonri Suar, Maonri Suar. Bien, donc on procède au compte des voix par candidat. La liste à mon voix 1. 3. Marie Terrani Cheumfat. Onze. Roué Terroto, 5, Suar Timo, 23, Tahoua Oup, 1, Tamatiore Tahiré, 2. Donc je vous laisse prononcer les je vous laisse prononcer les résultats. Alors sont élus. Alors ouais, Suar. Mahondri. Suar Mahondri, avec comme suppléante Céline Timo, avec 23 voix. Ouais, je crois qu'on peut le rappeler. Et est également élu Jean-Marie Terragué comme titulaire et suppléante Stéphanie Chenfat avec 11 voix. Alors, je souhaitais, au titre des élus de l'Assemblée et du président de l'Assemblée, féliciter les deux candidats élus. Vous avez vu qu'entre le premier et le deuxième tour, il y a eu quelques petits changements. Un soutien fort aux deux candidats qui ont défendu vaillamment leur programme. Donc, j'espère que vous leur apporterez votre soutien, parce qu'ils auront besoin de votre soutien tout au long de l'année. Et je souhaite à Jean et à Mahondri de représenter dignement tous les élèves de l'établissement au sein du conseil d'établissement. Donc j'y serai et bien j'observerai si effectivement vous agissez en tant qu'élu. Donc soyez responsables, n'hésitez pas à parler, prenez la parole, le président vous l'a dit tout à l'heure, défendez vos intérêts mais de manière constructive. Je crois que c'est ce qui est important. Voilà, je voulais vous remercier de votre patience, de votre bonne tenue, du respect que vous avez accordé à cette institution. Je souhaite remercier la direction de l'établissement ainsi que tout le personnel qui vous a accompagné aujourd'hui, qui vous a soutenu, et notamment Madame Maniel à l'origine de ce projet. Et je souhaiterais également que vous applaudissiez l'Assemblée et le personnel de l'Assemblée qui a organisé toute cette opération. Voilà, merci. Merci donc à John et à toute son équipe.
Et je voulais vous dire que ce soir, n'oubliez pas de regarder TNTV parce que vous allez passer à la télé ce soir. Je crois qu'ils emportent leur plaque, si tu veux la lire. Ah oui, et puis autre chose, vous emportez votre nom, votre plaque. Alors vous pouvez la retirer et la prendre, ça fera un petit souvenir. Donc, si tu veux, comme tu veux. Donc maintenant, nous... Oui. Alors, autre, on vient de nous signaler que ça aussi, c'est un petit travail pédagogique que vous pouvez faire. Je crois que vous avez des outils informatiques au collège. Vous pourrez consulter le site de l'Assemblée, d'abord pour apprendre, comme on vous l'a dit, mais vous pourrez voir le film. Vous pourrez, en allant sur le site de l'Assemblée, revoir le film de toute la séance. Nous allons remettre une copie également à votre proviseur. Et puis voilà, ça vous fera de beaux souvenirs. Donc maintenant, je crois qu'on va pouvoir aller calmement vers la petite surprise que vous a préparée le président de l'Assemblée. Voilà, bonne continuation à tous.